Alors bonjour Yann, bonjour Burpee Studio, je m'appelle Mathéo Nozal, j'ai 23 ans, je suis tourangeau et je suis coach sportif à Burpee Studio. J'ai commencé à connaître Burpee Studio il y a 6 ans de cela. Et en gros, j'ai commencé en tant que stagiaire pour un bac pro-vente. J'ai commencé en première à faire mes petits stages avec Marie, qui m'a pris sous son aile. Et d'ailleurs, un jour, on discutait et en fait, j'ai toujours été très sportif. Et elle m'a proposé à faire du coup une prépa BPJEPS, donc pour devenir coach sportif, que je connaissais pas du tout. Et de là, en fait, je suis rentré en prépa BPJEPS, j'ai continué mes stages chez eux. J'ai fait une petite année de césure pour faire une petite pause, ou pareil, j'ai continué toujours le coaching, mais par contre pour une équipe de football américain sur Tours. Et après, je suis rentré en BPJEPS directement pour faire mon alternance, que j'ai faite aussi également à Burpee. Qu'est-ce qui m'a orienté dans ce métier? Bah, déjà, c'est le fait que en étant jeune, j'ai fait pas mal de sport. J'ai fait 10 ans de natation et 10 ans de lutte à peu près. Dans la lutte, ma mère, elle tenait un club de lutte sur Tours. Et en fait, j'ai fait pas mal de coaching pour les tout-petits. Quelques années après, j'ai eu des petits problèmes de santé où j'ai dû arrêter du coup tout ça, donc tout ce qui était sportif. J'ai repris petit à petit grâce à mes stages du coup au sein de Burpees et puis je suis venu à rentrer au sein de l'IPMS, je suis diplômé, je suis coach. Ouais, ma formation en vente, elle m'aide dans mon corps de métier parce que bah, mine de rien, on a quand même de l'accueil à faire. Et puis, faut vendre notre produit. Tu vois, c'est comme quand je suis arrivé en stage en bac pro-vente, Marie, elle m'a dit, j'aimerais bien que tu suives un cours de pilates. Bon, d'accord, faut le faire, tu vois. Et puis, bah, mine de rien, t'essayes quand même ton produit. Et après, quand t'en parles à l'accueil avec des prospects qui n'y connaissent rien et qui l'ont juste vu sur Internet ou qui l'ont entendu sur du bouche à oreille, bah, ouais, t'arrives à le vendre vachement plus facilement. Donc, ouais, c'est une aide, c'est un tremplin. Alors le plus gratifiant pour moi ici, c'est que les adhérents ils reviennent à chaque fois à mes cours. Tu sais, il y a toujours ces petites têtes qui reviennent. Par exemple, je prends le cours de boxite, je sais que je vais avoir ces petites personnes-là qui reviennent le vendredi soir et tout. Et puis, tu sais, ils prennent une petite cartouche, mais ils reviennent, ils sont contents. Donc ouais, c'est quand même gratifiant. Après, c'est les petits compliments que tu peux avoir à droite et à gauche. Et il y a aussi ce petit lien que tu peux avoir avec certains adhérents où tu commences à te lier aussi d'amitié. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer en tant que petit coach nouveau au sein de Burpees? Au début, si, un peu compliqué, je t'avouerai. Après, tu sais, il faut aussi que je fasse ma place au fur et à mesure. Après, toujours ce petit côté introverti de moi, mais qui commence à être extraverti. Toujours le petit côté timide aussi que j'ai. Et puis. Puis qui au fur et à mesure commence à être un peu plus à l'aise devant un public. Un mot pour décrire Burpees, je te prendrai l'échange. Et l'échange rejoint tout ce que j'ai dit parce que tu as l'échange quand même avec mon équipe qui est juste exceptionnelle, qui m'apprennent chaque jour des tas de choses sur les cours collectifs, même sur d'autres choses. Et puis après, il y a aussi avec les adhérents où t'as l'échange sportif, mais t'as aussi l'échange à l'extérieur. Et ça, c'est enrichissant aussi. Et c'est super cool. Donc ouais, l'échange. Merci Yann, et merci Burpee Studio.